accepte. Pour gagner, il vous faut rapporter la capuche du vampire à Leffol. Toutefois, si Jem ou Clancy sont vaincus ou que vous perdiez la capuche, le scénario est perdu. Vos héros sont limités au niveau 20, mais Jem et Clancy passeront au niveau supérieur. Bla bla bla. Alors, en défense, non. Suffisamment de défense. Du bois, oui. Commencez avec une ville de 2500 pièces d'or. Je préfère le bois. When I delivered the amulet of the Undertaker to Sandro, he told me he had also hired a barbarian named Tarek to locate another artifact, the vampire's cowl. However, Tarek is long overdue and Sandro fears for his life. From what I can see, bandits have captured Tarek and are holding him for ransom in an underground prison near the Deja border. Un barbare nommé Tarek a localisé la capuche du vampire pour Sandro. Malheureusement, des bandits dans les territoires frontaliers contestés ont capturé Tarek pendant qu'il rentrait de Deja. Tarek a convaincu les bandits que ses amis paieraient généreusement pour son retour avec l'ensemble de ses possessions intactes. Ma vision m'a montré qu'il était détenu dans une prison souterraine près de la frontière de Deja. J'ai aussi reçu de bonnes nouvelles aujourd'hui. Clancy a obtenu la permission de son seigneur de m'aider à trouver les deux autres objets magiques. Lord de Fayette a dit que tout irait bien avec lui tant que nous n'en varions pas à vie. Je pense que la dernière partie de cette assertion était une blague. Bon, donc. On va mettre le contexte, hein. On s'est fait détruire précédemment. C'était pas assez rapide. Cette fois-ci, ça n'arrivera pas. Je le fais direct parce que après on reviendra peut-être pas tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rush. Mais de manière intelligente. Pas comme hier, hier on était un petit peu foufou. Et c'était un peu trop dispersé, du coup on a perdu beaucoup trop de temps. C'est parti. Donc là hier il y avait des archanges, là on se retrouve avec des hydres. À la limite je vais pas faire les hydres. Ok. Une groupe d'éclaireurs a localisé une ville neutre de type rempart au nord-est de votre base d'opération de départ. Donc voilà. On a pris bien cher. Encore une fois, en fait, on n'a pas le temps vraiment de niaiser. Faut être le plus rapide possible. Ouais, la magie. Ouais, c'est pas le point fort. Ok. Ok. Aller chercher après, c'est pas très grave.
Donc voilà, on connaît un petit peu mieux la, la zone maintenant. Devrait être un peu plus efficace. On a été, on a perdu beaucoup trop de temps précédemment, donc là. On va éviter ceci. Ok. Donc, ding, ding. Ensuite, 80 PV. Ok. Ding, ding, ding. Donc, voilà. Non, on va pas attaquer ça. Donc là, si j'ai l'initiative... Ah, j'arrive. Un petit caca. Ma fille a fait son petit caca. Bon. Ça passe. Ça continue notre progression. Ensuite les basiliques. Combien de vie cette merde? 35, 70, hein, donc ça suffit largement. Bien joué. Ok.
Bon. L'idée, juste d'avoir la meilleure vision possible. Ok. Forge. Ah bah oui, tiens, on peut se stuffer un petit peu. Qu'elle va m'attaquer. Ouais, ils sont beaucoup quand même. Donc on devrait perdre mes elfes. Ah, c'est pour le geste. Chat à chaque fois quoi. Faut vraiment. Oh putain, en plus il a chatte. T'as perdu ? Non. Pourquoi t'as dit ça ? C'est pas grave, comme ça. Non, je n'ai pas perdu. Mais bon, c'est tendu, hein. De toute façon, on le savait. Clac. Bon, ça va. On s'en sort. Il faudrait surtout avoir un peu de magie, quoi. Ce serait pas mal. Et puis arrêter de mettre des lanceurs de sorts en début de game, quoi. C'est l'enfer. Ah non, il y a vraiment pas un putain de puits de mana quoi. Écoutez très bien, pas de puits de mana. Ok. Ouais, ça je me souvenais qu'il y avait des trucs là. Bon, parfait. Je reprends un peu, ouais, je reprends un peu par tour, mais c'est pas dithyrambique. Il faut vraiment qu'on prenne ça. Ok. Chouïa des nains 5000. Ah non, en totalité ça va faire 5k. Huh.
Bordel, plus de mana quoi. Thank you.
Aujourd'hui, nous avons traversé un autre hameau qui a été fauché par un nécromancien il y a environ un mois. J'ai mis en terre ce qu'il restait des corps des enfants. Il n'y avait pas un seul adulte. Je suis sûr qu'ils ont été transformés en squelettes. Je me sens si vieille, fatiguée, en colère et troublée lorsque je vois ce genre de choses. Je ne vois pas comment les Racias pourraient garder les territoires contestés s'ils ne sont pas capables de protéger les gens de cette horreur. Je dois rester concentré sur ma quête. Je me suis rendu compte très péniblement que je ne pouvais pas chevaucher seul à travers ce monde maléfique. Le mieux que je puisse faire est d'aider les autres à se prendre en main. J'ai donné au maire Delino de l'or pour aider les réfugiés à s'installer près de Clover Green, où les militaires peuvent les protéger. Je lui ai donné le reste de mon or pour aider à soutenir la milice. Les miliciens sont tous des volontaires, mais ils ont encore besoin d'armes, d'équipements et de ressources. Ok. Parfait, parfait. On va retourner chercher le capitaine. Ok, donc on a récupéré ça. Quelques nomades à casser la tête ici. Ça sera au final pas trop mal. Hein. C'est même pas une blague. Ok. Ouais, faut pas qu'on fasse ça. Bon, je n'aurai jamais ma...
Il me faut la mine. Putain, la machine. Tout ça pour se prendre un coup d'éclair dans la gueule et disparaître. Triste. Oh, mais dans les réflexions, t'as pas le chauffer trop loin. Ça, je m'en doutais. Très bien. Ok, donc le prochain tour il est bon, il est pour nous. Ça va arriver. Là, il est là. On n'a pas trop de temps à perdre. Évidemment. Après, on va avoir l'avantage. Hein. Moi, on m'a exposé. Hein. Ok, ça passe. Forcer le trait encore, hein. Je le savais en plus. Hein. Bon, désolé, désolé le public, j'ai fait le fou. J'ai fait le fou. Attends, je le sais, en plus, je l'ai fait hier. Hier, j'ai fait la même erreur. J'ai donné mon bip à la science. Donc. De toute façon, on n'aura jamais l'avantage. Donc il va falloir penser autrement. Donc là ça fait 30.
Oh oui, c'est vrai qu'on a l'onde mortelle. Ah oui, sauf les morts. Non, mais non. Il frappe toutes les créatures. Ah, c'était ça, c'était nécrophage. Qui aurait pu être pas mal, mais je suis peut-être un peu trop. Donc on va faire la capitale. Très bien. Ma semaine de l'écureuil. Ouais, les yeux magnifiques, je peux les gérer. Ah, peut-être pas. Avec un petit sort de hâte. Ici, il me faut guide des mages 2, Dom Sylvain, source enchantée, clairière de pureté. Ça sera pas terrible. Mais je pense de finir de nettoyer en bas. Ça va être pas mal quand même. Évidemment. Évidemment. Gaz d'argent. On pourrait le faire. Sans nous, on joint nos forces.
Il y a pas mal de bois, donc ça devrait pouvoir passer. Ce que je propose, c'est qu'on fasse ça. On est des dragons assez rapidement. C'est lui. En fait, lui, je vais l'envoyer pour récolter un peu toutes les troupes. Ok. Tommy. Là on continue. Claire. C'est 10 000, 20 et 30. Elle est bonne, elle est bonne. Évidemment, je préfère sacrifier mes. Entre guillemets, mes centaures. Ok, apparemment j'ai fait de l'impression au seigneur de la frontière de Deja. Mes éclaireurs scouts m'ont rapporté que le plus proche seigneur de la frontière semble être en train de lever une armée pour combattre notre présence près de la frontière. Ils craignent qu'un vampire éclaireur ne nous repère lorsque nous entrerons dans la zone frontalière contestée. Quand même. Il a les seigneurs vampires. On va leur mettre la lenteur max. Voilà, donc ceci était mon plan. Donc, je sais pas trop comment ça va tourner. Sur le principe, je me suis dit que bon. Ok. Ok.
Voilà, même si c'est qu'une dent clé, au moins il est fait. Je vais même lancer deux entrepôts. Ce qu'il va falloir du pognon. Bon, ça on va la laisser là pour l'instant. Ah mais j'avais oublié. Mais voilà, au moins... On a assuré le pop des dragons. Ah, ça va être très long. Donc là on va continuer ici. Quoique ça coûte cher, mais... Oui, ça c'est 5. Ah bah faut continuer, de toute façon, faut qu'on se stuff. Ça va être la règle numéro 1, et surtout avoir des troupes qui tiennent la route quand même. Et la dernière fois c'est ça qui m'a manqué. Hein. Voilà, ça commence à être pas mal. C'est deux cités. Okay, population augmente. Non. Ah non, les grands elfes, je veux pas. On est en train de se reconstruire. Pas le temps pour ça. Mais c'est pareil, en face, je lui avais pas mis le meilleur des héros, quoi.
Parfait. Alors, ce qu'on peut faire déjà... Ah, 46, non. Mage 3, il va me manquer un de soufre. Du coup, vas-y. Tout le poudre qu'on va devoir lâcher. Au final, l'argent rentre bien. On peut se le permettre. Par contre, est-ce qu'on pourrait peut-être vendre un petit peu? Juste pour que j'aie mon... Pas perdre le... Et c'est ça le plus important, c'est que je puisse faire ma routine. Après avoir le dragon, c'est très bien, parce que maintenant j'assure les pop. Après c'est que de l'augmentation. Ça à la limite, c'est pas plus important, entre guillemets bien sûr. Ah, si, je sais ce qu'il faut que je fasse. Obligatoire. J'ai pas visité, on peut aller chercher un peu d'argent ici aussi. Hein. Cinq. Hein. Bah écoute, c'est pas très grave. De seigneur empire, objet magique. Ah oui, je tue tout le monde. Donc là on va commencer à nous améliorer un petit peu, là on peut aller chercher le pognon. Ça va les emmerder comme il faut.
Très bien. Ah, là, je t'ai bien. Ouais, en plus, c'est... Clancy, en plus, je suis con. Putain, mais quel débile. Ah, j'avais zappé que c'était pas un héros poubelle. Oh, nique. Ah, excuse-moi YouTube. Excuse-moi Twitch. Putain, on avait oublié que c'était pas un héros poubelle. Deux fois la même erreur, un petit peu plus intelligent que ça quand même. J'ai eu un autre rêve à propos d'Amanda la nuit dernière. Je pense que les rêves sont réels et qu'elle communique avec moi par magie. Elle a demandé de combien j'étais éloigné. Je lui dis que j'avais récupéré l'amulette de Sandro et accepté d'aider son maître, Etric, à trouver la capuche du vampire et les bottes du fossoyeur. Tremblant de colère, je lui ai également parlé des moissons et de la manière dont je tentais d'aider les villageois de la région. Elle m'a simplement regardé avec ses yeux calmes et sages, et m'a enjoint à être prudente, très prudente à propos de ce que je faisais et que cela ne se passerait pas comme la dernière fois. Très bien. Donc là, on a un petit groupe. Petit groupe de trucs, là. Bon, on va juste récupérer un peu de magie, quand même. Ça c'est bien ça, pas on rigole. Et dans pas longtemps, je pense qu'on va avoir une guerre à gagner. Allez, ouais. Ok. Donc, 4-8 stress. 13 hydra. Alors, lui, normalement. C'est de base assez lent. Donc je pense qu'on peut les niquer à distance.
combien, on était à combien ici? T'es niveau 20, je suis 17. Ouais. On va aller chercher. Beaucoup les archers elfes, parce que on sent tout l'impact de leurs flèches en fait. Ok. Ah, très bien. On groupe. Un petit peu comment ça se passe. Bon, je pense que j'aurais pu le niquer. Encore une fois, ouais, sur ce genre de truc, j'ai pas envie d'utiliser trop de capacité. J'ai pensé à des choses aujourd'hui. Parfois je refuse de penser à certaines choses. Cela fait trop mal et d'un autre côté, je me sens plus sûr maintenant. Je ne pense pas qu'il soit mal de haïr l'haïssable ou de ne pas pardonner l'impardonnable. Ce que je pense être mauvais, c'est de laisser cette haine et cette incapacité à pardonner, transformer la personne en ce qu'elle est ou ne peut pardonner. Pas reverse à nous, etc. Ah oui, c'est vrai que c'est une phrase très magique. Très bien. Ok. Écoutez, on va continuer. On va nettoyer un petit peu tout ce bordel. Se faire de l'XP. Okay. Comme ça. Non, ça je laisse. Okay. Donc on avance, on avance, on avance. Ce qui va pas être trop mal, c'est qu'on aura une bonne vision de la zone. Voilà, de toute façon, tant qu'on ne connaissait pas vraiment la map, c'est un peu compliqué d'échafauder un point. Le mimétisme, c'est bien, j'en ai pas. Ah, ça c'est la plaie aussi. Ok. On peut les taper par là aussi, voir ce qu'il y a. On est protégé de toute façon, donc s'ils doivent arriver, ce sera par ici. Ce qui m'arrange également, on va pas se mentir. Là, je pense qu'on est bien large par contre, du coup on va peut-être pouvoir commencer à faire des trucs ici.
Ah putain, c'était une semaine divisée par deux. Ok. Ok, maman. Ah bah oui, d'accord. Autant investir pour ce moment. C'est le moment de se faire plaisir. Un peu les soldats. Ah oui, je me suis raté. Alors que fait-on? Est-ce qu'on va là? Je me tâte. J'ai jamais sauvegardé pour l'instant. Hein. J'ai cru. Qui jusque là à peu près. De nettoyer. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va le tenter. Je pense peut-être prochain. Je sais pas. Merde. Non, ouais, si faut que je les tue, l'XP. Ouais. Après, la question qui se pose, c'est. Ça va être pas mal.
Le problème c'est que ça, c'est que je me repose beaucoup sur un seul héros. Donc voilà. Est-ce que c'est la bonne idée de push par là? Je sais pas. On a un accès plus direct. On va voir. De toute façon, ils ont l'air de se mettre par là. Je vais attaquer milieu. Ouais, j'ai bien fait. Le Lord Fayette, dont dépend Clancy, est arrivé aujourd'hui. Quelle agréable surprise. Il a clamé qu'il était dans une partie de chasse et m'a adressé un clin d'œil. C'est la première occasion que j'ai eue de lui parler et je l'ai beaucoup apprécié. Nous avons parlé de la forêt, des animaux et des gens. Juste avant qu'il ne parte, il a dit qu'il souhaitait que je pense à rejoindre les forces d'Avli, comme héros travaillant pour lui, et un autre seigneur d'Avli. Il a dit de lui envoyer un messager avec mes impressions à propos de cette proposition. Hein. Ouais, faut que j'aille lui casser la tête. Là, on a une belle force comparée à hier. Ici, que l'argent tombe, les ressources sont là. Il a quoi? Il a rien. Très bien. On va peut-être faire descendre Clancy. Hein. Peut-être pas trop con. Mais... Après tout. C'est sûr qu'ils allaient fuir. Qu'est-ce que je propose, c'est qu'il termine son tour. Que toi tu ailles là. On va faire une pépinière. Je pense que la magie marche pas. C'est...
J'ai voulu écrire à Lord Fayette juste après sa visite, mais je me suis forcé de laisser un peu de temps s'écouler. Je lui ai finalement écrit aujourd'hui que je serais très heureuse de rejoindre ses troupes, mais que j'avais besoin de finir de rassembler les objets magiques dont Etric avait besoin en premier. Je pense qu'il comprendra. Je vais simplement attendre et voir. Parfait. Un peu moins parfait. Pas mal peut-être. Juste d'avoir des... Des petits bonhommes éclairures. Très bien. Des élémentaires, c'est mon sort préféré, mais écoutez, on le prend quand même. Ah, voilà, ça c'est ce que je craignais. Ce genre de petite sneaky attack. Bon, ça va, je suis niveau. Ouais. Oui, 06 quoi, qu'est-ce que tu veux faire avec un 06? Ouais, je sais faire plein de choses, mais... Ah. Ça c'est encore mieux, parce que du coup Clancy va arriver, l'autre va arriver aussi. Donc, parfait. Non. Ok. Oh, parfait. Il attaque. Ah, elle est là, la caméra, ok. Ok. Hmm.
son. C'est-à-dire qu'il va pas tarder à arriver, je pense. Ça au moins il aura pas ses unités ici. Ok. Je sais pas d'où ils sortent en fait. Ça peut soucier un souci. Oh, pardon. Mais si je m'avance trop en territoire ennemi, je me. Voilà, par exemple. Et CTP, je pense. Et le premier en fait, c'est très rapidement compliqué. Je pense que le prochain run, là je suis con, j'ai pas nécessité d'aller. Tous les up en fait. Qu'est-ce que j'ai? Attends. Plus simple. Ok. Voilà. Très bien, donc là j'en 6. Qu'on optimise au max. Pipinière. Comme ça j'aurai une armée pour lui. Qu'il puisse se battre contre un ennemi quoi. Ça va être très chiant. Ok. Ah bah oui, évidemment, il va se mettre là, ce petit chien. J'ai reçu une lettre de Lord Fayette aujourd'hui. Je l'ai ouverte sur le champ.
Il m'a formellement invité à rejoindre ses forces en qualité de général dès que ma promesse à Sandro, a été tenue. Il m'a écrit différentes choses flatteuses qui m'ont fait rire. Ce seigneur elfe est également un flatteur. Cela va être un plaisir de travailler avec lui. Je pense que j'aurais pas besoin de... Ok. J'ai suffisamment de ressources pour les vendre au pire. C'est ce qu'on va devoir faire. C'est vraiment de se monter une armée bis hein. Pour que l'héroïne principale puisse aller chercher un petit peu les lignes ennemies en fait hein. Donc là c'est sûr qu'il va arriver. Non, faut descendre. Moi. On va perdre quelques ressources, mais on va les rattraper après. Ok. Ouais, ça va être sympa ça aussi. On aura le temps de monter toutes les autres unités en... Je vais dire au max.
Enfin, une sauvegarde, pas trop mal. Une nuit et demie, très bien. Heureusement, on a fait une sauvegarde avant, pour le coup. J'aurais deux choses à faire. Donc, là je pourrais aller là. Maintenant, une horde, une foule, beaucoup, un groupe, une horde. De le tenter. On ne reste plus que 32 mana. Ouais, c'est un peu foutu de ma gueule quand même. Ouais.
trop. Oh merde. Moto. Putain, il a une barre d'attaque. Ouais, s'il faut que je la fasse attaquer l'autre. Je fasse attaquer Gemme. Gemme, je lui mets tout le monde. Oh, ça peut laisser. Mais 20 d'attaque, qu'est-ce que tu veux faire ton meilleur? Quel bâtard il s'est barré en fait. Ouais, par contre ça va faire surgir un autre problème quand même, tout ça. Je tiens pas la route quoi. Pour la faire rapide. Tout y revient en plus. Alors, est-ce qu'il me chatouille parce que j'ai repris ce qui était à lui? Ouais. T'as fui, autant le faire bien. Et ils encaissent dur quand même les chevaliers. On tente un truc, on va voir si ça fonctionne. Si ça marche. On est pas mal. Si ça, ça marche, on est pas mal. Mais bon.
C'est vrai qu'on me l'avait dit en plus. À chaque fois je me fais baiser, il faut que ça s'arrête. Il faut que ceci s'arrête immédiatement. Oh, je m'étais trompé. On peut presque tout acheter, ça c'est déjà pas mal. Ça. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. J'aurais dû me casser. Je suis mort. Alors. Thank you.
Je prends trop cher. Dragon, dragonnet. Compliqué celui-là quand même. Je sens que ça... Ah, c'est pas drôle, je me fais déboîter. Ah oui, ça c'était horrible par contre. Mais fils de pute. Ah là j'avoue, il me l'a tellement mis profond. Dur. Thank you.
Ouais, si elle sort de raise en plus. Ouais, c'est surtout que si j'ai pas assez de puissance. Laisse tomber quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je pense que c'est un peu... sort de raise sur des morts vivants, je trouve ça dégueulasse quand même. J'ai pas assez de force. Ça c'est nul. Faut vraiment que j'ai une grosse armée. Hein. Il faut que j'ai suffisamment après, une grosse armée pour que ça puisse l'annihiler en fait. Sinon c'est muerto. Bien, bon, c'est pas certainement moyen de se refaire la série ici.
Il a peur. Thank you.
Écoutez, on va faire ça comme ça. Thank you.
Donc là, le move va marcher. C'est plutôt cool. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je dis ça à chaque fois, mais faut que je m'arrête vraiment. On chie grave, mais c'est pas grave. Bâtard. Mmh.
foutu en l'air toute ma logistique. Là. Bon allez. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ce petit live. Je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Ah, ciao, ciao. Voilà. Donc, dans la suite de nos aventures sur Heroes of Might and Magic. Et voilà, donc c'est la pause du midi, on profite un petit peu, on se relaxe, on se détend. La journée a bien commencé, beaucoup de réunions, beaucoup de choses à faire, donc voilà, c'est le moment de faire la pause. Et de décompresser, comme dirait l'autre. Alors, on en était rendu, ou bien on en était rendu qu'on n'était pas trop dégueulasse. Ah, on se souvient, voilà, ça tournait bien, on avait récupéré 3 villes mort-vivantes. On a toujours un petit motherfucker qui se balade dans le secteur, qui est assez costaud, beaucoup d'unités. Voilà, donc c'est un peu l'arlésienne. Hein. Alors, maintenant, voilà, on a réussi à manager, alors, on en a chié, hein, je dois avouer que ça n'a pas été totalement naturel. Ouais, on en a chié, quoi. Très bien. Là, on est niveau max. Pas mal. Peut être vraiment pas mal. Sur un plus 4. Toi, viens par là. Parce que bon, t'as quand même 2-3 trucs sympas à lui filer. Elle. Voilà. Donc là, il faudrait pas que l'ennemi ressorte. C'est toujours pareil, un petit peu. Hein. C'est qu'on sait qu'il prend les. Les portails. Et il ne faut pas que mes héros meurent. En tout cas, mes deux héros principaux. Doivent rester avec moi. Bon, en attendant, il va falloir que je commence à faire monter mes trucs là, parce que je voudrais quand même récupérer un petit portail. Portail de terre, là, ça m'arrangerait quand même fortement bien. Très bien. Tu peux revenir ici. Ah oui, il me fait chier avec son brouillard de guerre. Putain. Ok. Très bien. Un peu de retard, pas très grave. Ça, on va faire ça. Toi, on va l'envoyer, tu vois. Oh, ici, checker un peu ce qui se passe. Et récupérer, voilà, 2-3 trucs. C'est tout le moment d'attaquer.
Pas de pitié. Rush, rush. And rush. Ça. C'est toujours des trucs qu'il aura pas. C'est pas mal, on peut prendre foudre terrible. Par contre, j'ai peut-être été un peu trop vite en besogne. Ce que je suis en train de me dire, c'est que. Ah. Là, je pense qu'il n'aura pas d'autre ville en fait. Et je veux pas. Je veux pas gagner. Oh, est-ce que je vais apprendre les sorts? Typiquement le sort de la terre là, oui je veux. Résurrection, ça serait extraordinaire si j'ai un pool de mana suffisamment intéressant. Donc voilà, on va juste traîner dans le coin. C'est vrai que j'aurais peut-être dû. C'est pas grave, on va recommencer du coup. Oui, parce que je vais récupérer toute la magie. J'aimerais récupérer toute la magie qui va bien. Donc, bim. Quel débile! Mais non! Ah, mais non! Ah, mais non! Mais non! D'où mon dragon? Pourtant, j'ai bien fait en vertical, à aucun moment il c'était en horizontal. La comte Seymour. Très bien, c'est pas grave. Ceci n'est pas très grave. Pourquoi j'appuie sur ce bouton? C'est pertinemment que. Je me trompe, on me dit après. Mais... Ah, le portail est là déjà. C'est plutôt bon signe pour moi. Mais quel début j'avais pris en plus. Donc oui, de toute façon, on veut que la 4. Enfin, dans un premier temps. On sait qu'il n'y a rien. Donc, je ne sais pas. Donc là, il se met en défense. Ah, ce qui est normal, hein. Thank you.
ça là. Super cool. Mais si on repart pour un tour. Ah oui. C'est bien là. Ici. Ah, c'est vraiment pour se mettre à l'abri. Après, si j'ai vraiment une grosse armée, je vais peut-être envoyer Clancy quand même, qui est un peu en retrait en termes d'XP. Mais bon. De toute façon, si j'ai le... En fait, ça va dépendre. Si le sort, il pop... Bon, si le sort pop... C'est niveau 20, hein, c'est ça? Ouais, niveau 20. Niveau 20, il y a des mobs qui traînent un peu partout. Ah. Bon, bref, ok. Choper un beau matin. On l'a pendu avec ses tripes. Bref. Donc ici on a dit. Pourquoi il y a quelque chose que je comprends pas. C'est du 8. Voilà. C'est du 8. Attention. Toujours pas, hein. Toujours pas, quand ça veut pas. Mais nous passons à la deuxième zone. Ouais, j'y vais, je me fous, attention. Ah, le fils de Yinche. Bon, on s'en fout à la limite. C'est même peut-être mieux. Ça, on l'a fait sortir de son trou. On voit un petit peu les forces qu'il a. Allez, c'est pour le fun. Combat auto. Ah, ce qui me fait peur, les 74 chevaliers noirs. C'est 24 dragons squelettes. Oh, il a quand même une belle armée, hein. Oh, bim, 3750. Là, il utilise son sort de résurrection. Très bien. Et il m'envoie le sous-fifre. Moi, je dis... comme ça... Alors, je sais pas si ça va passer. De... Putain, 19 de sa mort. Ah, j'hésite. J'hésite beaucoup. Géante, imagine.
Oh les boules, putain, ça aurait été génial si ça avait été sur tout le monde. Même ça, si je vais là après, je vais me prendre tout le monde dans la gueule. Réfléchissement. 4000 de dégâts, quoi. Non, pardon, 500. Et là, la magie d'eau aurait été cool. Ah, ça a piqué. Ah, ça pique, hein. Ah, cette saloperie! Pour sûr, hein, mais bon, c'est bon, ça tank. Qui? Ça tank, ça tank! Yes.
Ouais, c'est gagné. GG moi. Bon, c'est bon. Alors, Menero est down. Du coup, je peux même payer le luxe, je pense, de m'envoyer lui. Par la suite. Faiblard quand même. En tout cas, ça fait plaisir d'en voir le bout. On a déjà fait le tour. Mais bon, il était quand même bien tendu. Hein. Pas tant de... Ah, et puis il s'est enfui en plus. Je veux dire, pas tant de magie, pas tant d'objets magiques sur lui, mais c'est vrai. Allez, un portail de ses morts, putain. C'est abusé, quoi. Franchement, j'ai fait toutes les putains de villes. Il n'y a pas un qui m'a sorti le portail, quoi. J'étais tellement au fond de ma vie. Chercher, on va voir. Ah, mais de toute façon, je le perdrai. C'est juste le parchemin qui me donne accès aux éléments. Je remplace le terminal. Clairement. Ah, ok. Cleansing. Même avec la team qu'il a, je pense qu'on peut y aller tranquillement. Ce qu'on fasse, de toute façon, il aura presque plus personne. Donc, oui, je pense qu'on peut largement y aller ainsi. Ça, on va faire notre tournée des pipotes à notre ami. Et notre dernière chance. 8. Et attention.
Et ben, va te faire. Mm-mm. Très bien, donc, dans toutes ces putain de villes, il n'y en a pas un qui me fait pop. Putain, c'est abusé. Le portail de terre. Je suis déçu. Je ne suis très déçu. Un peu plus déçu. Oui, non, ça. Ah mais non, putain, mais oui, je suis con, c'est vrai que je peux le tuer en fait. J'ai strictement rien à branler, c'est vrai que là la quête c'est de... C'est de, comment dire, de libérer l'autre. Débile man. Ok. Clairement. Ça va peut-être le piquer quand même un petit peu. Ok. Allez Tom Clancy, c'est le moment de faire montre de ta valeur. Tu as les menottes. Ah oui, c'est vrai que t'as les menottes, toi. Peut-être augmenter un peu le moral, quand même. C'est un moral de merde. Un petit peu de vie. Voilà. Ah, t'es tout beau. Non, ça, on s'en fout. Ok. Bah si, maintenant, échangement... échange de bons procédés. Putain, les nains... Lui, à la limite, il pourra aller finir son taf d'expérience. Et là, les 25 dragons. En fait, c'est là où j'ai fait une boulette. C'est que je devrais peut-être... Bon, j'aurais dû faire ça. Bon, après, sur des gros stacks d'armées, c'est vrai que c'est... Salut. Salut, le trépassé. Hop. Très bien. Donc. Ah bah ouais, hein, ça fait moi la maline. Hein. Tiens, je te finis. Ouah. Très bien. Non, foudre terrible. Donc, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est qu'on aille libérer ça. Ok. Et toi, bah écoute, tu peux aller. Les gavés de choses du niveau 5. Ah, ça me saoule tellement. Dans les deux. Implosion. Bon, écoutez, ça va. On accepte. Ici, ça me met nous nulle part d'intéressant. Si jamais. Oui, bon, pour le coup, mais non, c'est bon. Quoi. Ah putain, ok. Je peux pas m'auto-insulter, ça sert à rien. Mais... De toute façon, j'ai envie de dire, après, tu m'en besoin d'acheter de troupes. Hein. On va se gaver de magie niveau 5. Implosion qui pop encore. Tom Clancy à prendre niveau 5 parce que tu es maître en sagesse aussi. À défaut d'autre chose.
Ah oui, après on prend l'option pour apprendre le portail. Clac. Voilà. La bibliothèque. Prenez quoi ici? C'était anti-magie. Porte gordienne. Voilà, j'appréhende beaucoup mieux le monde maintenant. Hop, va appréhender le monde de toi aussi. Ensuite, ici. 5. Ce qui m'apprend. Implosion, décidément, implosion, heureusement. Heureusement. Qu'ils l'ont pas appris, hein, parce que là je pense que j'aurais souffert. J'aurais souffert et le martyr. Je pense qu'il y avait rien ici. J'aurais souffert le martyr. Très bien. Clac. Bon, attends, je sais pas pourquoi j'y vais. C'est vrai. Alors peut-être avant d'envoyer Clancy là. Sacrifice. Ouais, c'est pas extraordinaire. Microlite. Très bien. Bon, ben voilà. Un second niveau, je m'en bats les couilles. Ouais, le seul intérêt, ce serait éventuellement de prendre ça. Je sais pas trop. On doit aller là, nous. Déception. Une vraie déception. De pas avoir accès à ce truc de terre là, franchement. J'ai l'impression de me faire. Bon, XP. Oui, bah, gratter un peu d'XP, au moins 19, ce serait cool. Pas mal si on peut atteindre le 19. Donc avec 870 d'expérience, je sais pas trop où on va aller. Ça m'en rend combien? 7300. Écoutez, c'est triste, hein, mais on est rendu là, quoi. Ah oui, mais si, il y a le truc là où j'ai pas fait. Je crois qu'il y a des. Oui, voilà, regardez, il y a tout ce qu'il faut au final. Plus, il y a des trucs qui ont pop. Oh là là, le jeu se donne à moi. Combien ça vaut un gobelin? L'XP pour un gobelin? Bah je, on saura pas. On saura pas parce que je clique trop vite. Crac. 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 Ça ne rapporte pas beaucoup. Réflexion de magie. Ok, très bien. Très bien, très bien. Hein. 55.
crash. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas perdre trop de temps. Ouais, plus que 5000, hein. Quand même, ça monte, ça monte. Et ici, le final, le grand final. Élémentaire de terre, très bien. Oui, il y a ça qui va tuer. Confusion. Bon, écoutez, c'est parti. Hein. Go back home. XP. Comme ça, on va la positionner en face de la tente. Gagner un petit peu de temps, quoi. On va visiter le... ça, on va se faire les behemoths. C'est pas un petit peu d'XP, ce sera pas énorme non plus, mais bon. On va pas s'en priver. Eh, 2000 d'XP quand même. 2300 et on est bon. Eh oui, désolé. Comme dirait chez mamie, prends ça. Ils m'ont tué un, les bâtards. C'est un putain de parchemin. J'ai tellement le seum, j'aurais pu tellement l'avoir avant, tellement. Par contre, je suis pas sûr de le garder aussi. Ça, on va essayer. Tu sais quoi, on va lui donner. Quoique si je le garde, de toute façon, ça n'a pas de grande importance qui le porte. Mais bon, on va quand même se mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit. Bonne personne, ah, parfait. 19, c'est acceptable. Novice, un charisme. Parce que... Peut-on qu'on prend un peu cher avec le charisme. Par contre, si je sors là, peut-être aller plus vite, non? Faisons un test. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça encore à les tuer là. Ah oui, oui, ils m'ont mis tellement la misère à les rapports. Ah oui! On appelle la vengeance. Tac. 2600 XP quand même. Le prochain il est un peu loin, hein. Ça ferait 113 000, quasiment 9000 XP. Ouais, on peut faire que ce soit juste. Oh bah fuck. ok. Eh bien, fuck aussi, c'est pas la bonne grotte. Merde. Ah oui, elle est là, putain. Bon, c'est pas ça qui me bloque quand même, ça. C'est une blague. Okay.
vaisseau. Pas vu. Je n'avais point vu. Sûr. Un groupe de bandits occupe cette tour. 40 000 pièces d'or. Très bien. Bon, maintenant. Juste lui transférer un truc magique là. Ça... Putain, je me suis trompé. Oh, ça me casse les cucuilles. C'est pas grave. Tiens. Oh, du coup, c'est là. Ouais. Tiens, un petit parchemin de terre. Oh, la lame des titans. Oui, ça. Dans un accès de bravoure, vous vous infiltrez dans la geôle locale pour libérer le héros qui était prisonnier. Ce dernier jure fidélité à votre cause. Il s'agit de Terek. Et voilà, on a libéré Terek. Normalement, on a gagné, non? Non, on n'a pas gagné. Ok, il vous faut apporter la capuche du vampire cette fois. Ah oui! À Leaf Hall. C'est où Leaf Hall? Oh putain! Fous de ma gueule! Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Allez, dégagez! Direction Leaf Hall. Oh putain! Oh non! Ah mais non, mais rien du tout! Fortune Keep de Seymour Leaf Hall, c'est là? Oh là 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 là. Descends de la montagne à cheval. Descends de la montagne à cheval. Bon, c'est pas grave, scénario gagné. Enfin, j'ai envie de dire. En plus, dans le temps imparti. Enfin. Oh, félicitations!